Bon Dieu compte en haut. N'importe qui péché ou pensée ou qu'a fait une commettre, bon Dieu, il est capable de pardonner tout ou péché. Et un seul péché qu'il avait bien occupé pour être pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Les autres tout péché qui est capable de venir, tout ça, le péché-là, bon Dieu, il finit pour tout l'eau, la croix du calvaire. Ça veut dire n'importe qui péché fait une commettre, frère et sœur, ou il a le pardon de vos péchés. C'est que mon Dieu, aujourd'hui, tourne ouvert sa bondier là. Parce que sa bondier qui nous sert, il y a un bondier d'amour, il y a un bondier tout-puissant, il y a un bondier miséricordieux. Et il y a un bondier comme ça, il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde, à qui il a envie de faire miséricorde. Ce n'est pas un monde qui peut dire à bondier, qui s'en a, il a besoin de faire grâce, qui s'en a, qui trouve dans le livre de Jean, nous pouvons, parce qu'il est terminé l'eau là même. Comme ça, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Frère, dans sa dernière verset que nous finissons là, il dit où? La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il fait une vie, il fait amène la vérité, il fait amène la grâce, frères et sœurs. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nous la vie, nous recevons et la grâce et la vérité ensemble. Et aujourd'hui, frères et sœurs, voulons-nous une invitation? Invite Jésus-Christ dans la vie. Invite Jésus-Christ, frères et sœurs, dans la vie. Du moment où accepter le Seigneur Jésus-Christ, du moment où invite Jésus-Christ dans la vie et Jésus-Christ rentre dans la vie, la grâce et la vérité pourront dans la vie, frères et sœurs. Où vous vivez la vie bénie, où vous vivez la vie vainqueur, où vous vivez la vie plus que victorieux, frères et sœurs. Il ne faudrait pas penser qu'au fin commettre trop de péchés, peinant le pardon de vos péchés. Il ne faudrait pas penser qu'au fin commettre trop de péchés, ni aux familles, ni bon Dieu vous pardonne. Frères et sœurs, avec les temps, il y a du monde d'oublier. Avec les temps, il y a du monde capable, je ne vais pas vous oublier, je vous rappelle, mais c'est mon frère et soeur, bon Dieu, il y a un bon Dieu qui, si nous allons vers lui, aujourd'hui, c'était la même, nous repentir, c'était la même, bon Dieu, car pardonne-nous. Et car pardonne-nous tous nos péchés, frère et soeur. Pour donner l'exemple, quand Jésus-Christ, il est à la croix, tu peux être crucifié, il est à la croix, frère et soeur, tu n'as des brigands. Ben, si tu es crucifié, il est à la croix. Mais, là, tu peux. Un juif à Jésus-Christ, il peut causer un gros causé, mais l'autre là, frère et soeur, il finit rentre dans lui-même, et il finit à Jésus-Christ comme ça. Souviens-toi de moi quand tu pourras rentrer dans la gloire aujourd'hui. Frère et soeur, la Bible dit comme ça que ça dit monde là, il finit reconnaître qu'il est un pécheur, il finit reconnaître qu'il est un malfaiteur, et qui ce qu'il peut gagner l'eau la croix, ça, il t'y mérite parce qu'il est un malfaiteur, il fait quelque chose qui t'y mal. Mais c'est un moment qu'il finit. Viens vers Jésus-Christ, frère et sœur, il finit recevoir le pardon de ce péché. C'est un moment qu'il finit, viens vers Jésus-Christ, Jésus-Christ finit répondre, il finit dire comme ça, aujourd'hui même, tu pourras avec moi dans le ciel. Frère et sœur, quand nous tournons vers Jésus-Christ, quand nous repentons, nous tournons vers Jésus-Christ, Jésus-Christ peut dire comme ça, aujourd'hui même, tu pourras avec moi, frère et sœur. Et, on va pas trop tarder, frère et sœur, c'est que moi, je vous dire, oh, frère et sœur, c'est qui? Nous tout nous fait errer parce qu'il nous donne la chair. Et Jésus-Christ lui-même lui finit dire, la chair elle est faible, mais l'esprit est disposé. À cause Seigneur, pourtant, frères et sœurs, tous les jours, à nous fortifier nous l'esprit. Tous les jours, frères et sœurs, à nous fortifier nous l'esprit. Comment nous fortifier nous l'esprit, frères et sœurs? Nous cherchons la face bon Dieu. Comment, frères et sœurs, nous rentrons dans la présence bon Dieu, grand matin, tantôt? Comment, frères et sœurs, nous lisons ce parole, frères et sœurs, grand matin, tantôt? Nous méditons sur ce parole, grand matin, tantôt? Nous prions sa bonté là. Nous cherchons une direction. Nous cherchons nos rôdés qui bon Dieu a envie de nous faire, frères et sœurs. N'importe qui a fait au fin car comme aujourd'hui, frères et sœurs, bon Dieu dit comme ça, moi aussi, moi pas condamne toi, va et ne pêche plus, frères et sœurs. Qui fait le dira, si nous répéchons, frères et sœurs, il y a quelque chose de plus grave qui va arriver, frères et sœurs. À cause ça, il redit à sa madame là, va et ne pêche plus. Frères et sœurs, la Bible dit comme ça, quand un monde croit dans le Seigneur Jésus-Christ,
sa personne, quand il recevra Jésus-Christ dans la vie, Jésus-Christ, il met sa mauvais esprit là en déo dans la vie de sa dimoune là. Mais quand sa mauvais esprit là, il a le déo, frère et soeur, et finalement dans les lieux arides, ça l'esprit là n'est pas pour eux, il est pour eux de retourner. Parce qu'il n'est pas content de rester en déo, il est content de rentrer dans l'écho à une personne. Et s'il est trouvé pas capable tout seul, il peut prendre sept les autres, l'esprit qui est plus mauvais qu'il est. Et quand il prend sept les autres, l'esprit plus mauvais, frère et soeur, il peut essayer tout vendre. Situation qui est capable pour les refaire sa dimoula tomber, pour les refaire les péchés, afin qu'il est capable d'avoir accès de nouveau dans la vie de sa personne-là. Frère et sœur, si bon Dieu finit bien dans la vie, si bon Dieu finit un lot dans la vie, frère et sœur, pareil donne accès au diable. Pas laisse le diable manipuler ou, frère et sœur, pas vivre dans le péché, mais au contraire, vivre dans la repentance. Produire un fruit digne de la repentance, frère et sœur. Et quand nous produisons un fruit digne de la repentance, nous avons une assurance qui, quand bon Dieu pour retourner, frère et soeur, et pour trouver ça un fruit là dans nous, et vous dire nous comme ça, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Mais si nous ne pouvons pas produire un bon fruit, frère et soeur, bon Dieu, pour envoyer-nous dans le feu de la GN. Ça, c'est où décision, ça, frère et soeur. Moi, je ne peux pas prendre une décision pour vous, ou je ne peux pas prendre une décision pour moi. Chacun, nous pouvons prendre sa décision-là individuellement. Ça veut dire, moi, je prends une décision-là pour moi, ou je prends sa décision-là pour vous, frère et soeur. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, frère et soeur, à nous, car vivre dans la repentance. À nous, tous les jours, frère et soeur, nous prions sa bon Dieu là. Nous disons, nous demandons, tous les jours, nous vivons dans la repentance, nous demandons bon Dieu pardon pour tout le péché que nous faisons commettre volontairement dans nos connaissances ou dans l'ignorance. Frère et soeur, dans n'importe quelle façon, nous faisons commettre un péché contre bon Dieu. Nous demandons bon Dieu pardon. Et nous avons l'assurance encore une fois que bon Dieu pour pardonner nous. C'est ça le thème de mon message, frère et soeur. C'est que bon Dieu lui pardonne ou n'importe qui péché au fin de faire. N'importe qui péché ou car ou peut penser qui péché là, pénal le pardon. Mais Jésus-Christ qui dit comme ça, moi, je pardonne tout péché. Dis, vive dans la repentance. Dis, vive dans l'humilité. Pas en Dieu, si tu l'équerres, vine vers bon Dieu, vine vers Jésus-Christ. C'est ça mon message, frère et soeur. Pas besoin de vivre dans le péché, vive dans la repentance, approche-toi avec Jésus-Christ. Et produire un fruit digne de la repentance. J'espère que vous avez fait une comprendre ce message, frère et soeur. Il y a bien un message qui n'est pas si long, n'est pas compliqué, frère et soeur. Nous écoutons ce message-là, nous bien connaissons cette histoire-là. Et cette histoire-là, frère et soeur, nous permettons nous-mêmes, nous, madame-là. Écoute-là, laissez-moi manger, moi, j'ai dit bon appétit. Au revoir.